أزرت المنتخب التشادي أمام نظيره الملاوي. هذه المباراة تعد مباراة حاسمة ومباراة قوية جدا بالنسبة للمنتخب التشادي الذي خسر بهدفين لصفر في مباراة الذهاب أمام المنتخب الملاوي في أقر داري. واليوم جاء الدور للمنتخب التشادي لرد الاعتبار لكي يكون المنتخب التشادي ضمن المؤهلين إلى التصفيات كأس الأمم الإفريقية عام 2015 والتي تقام بالمغرب. إذن الأمال كلها تنصب في مباراة اليوم أمام المنتخب الملاوي، وينبغي للمنتخب التشادي أن يفوز بثلاثة أهداف نظيفة حتى يتأهل إلى الدور الثاني. فلذلك كل الأمال وكل القلوب وكل الجماهير الآن في ملعب إدريس محمد أويا وفي المنازل، وكذلك التشاديين في الخارج يمنون النفس بأن هذه المباراة تكون مباراة الفوز للمنتخب التشادي الذي لم يتأهل ولا لمرة واحدة في كأس الأمم الإفريقية. إنها فرصة سانحة للمنتخب التشادي بأن يكون فريقا يتأهل إلى مباراة كأس العالم كأس الأمم الإفريقية. إذن نشاهد أعزائي المشاهدين خروج المنتخبين، المنتخب التشادي المتجج بنجومه وكذلك المنتخب الملاوي الذي هزم المنتخب التشادي في مباراة الذهاب. Alors c'était là Tahir qui a déjà accéléré, qui a planté le décor. Et donc je disais que nous sommes cinq réunis pour ce match. Les joueurs viennent juste de faire leur entrée au stade, et donc bientôt les choses vont commencer. Alors Madi, dis-nous un peu, est-ce que les Sao ont la chance de battre les Malawi et pour se qualifier? Oui, s'il faut tenir compte donc du match aller, tout est à croire que les Sao seront donc à la hauteur de cette rencontre, et surtout qu'ils ont le public sur les épaules. Ils ont une lourde responsabilité parce que c'est toute une nation qui a fait le déplacement du stade cet après-midi pour les soutenir. Il va falloir effectivement que les Sao essaient de renouer le contact avec ce public avec qui il a rompu donc le contact suite donc à des piètres prestations dans le passé. Et donc c'est une obligation ce soir, non seulement pour la victoire, mais d'obtenir une qualification pour renouer le contact avec le public tchadien. Ils ont l'obligation. Alors Théophile, sur le bilan présenté tout à l'heure, 3 victoires pour les Malawi, une victoire autant pour moi pour le Tchad et un match nul. Alors il y a déséquilibre, Théophile. Il y a certainement déséquilibre, et les Sao nous ont déjà habitués aux défaites, surtout que l'équipe malawite est déjà un habitué de cette pelouse du stade Omso Idriss Mamatouya. Le Malawi, il faut le dire, a évolué ici depuis 2010. Déjà, le Malawi a évolué sur ce terrain. Je le disais, en 2010, le Malawi était dans la même poule que le Tchad, la Tunisie, le Togo, le Zimbabwe. Autant pour moi, c'est Mozambique, le Botswana. Donc, le Malawi, ici, a tenu déjà le Tchad en échec 2 buts partout. Le Malawi a malmené le Tchad en 2010 par 6-2. C'était à Lilongwe. Le Malawi a été battu difficilement par 3-2 ici même au stade Omnisport Idriss Mamatouya. Aujourd'hui, le public sportif tchadien est un peu sceptique par rapport au comportement des Sao. S'ils parviennent à briser ce scepticisme, ça serait vraiment l'honneur, parce que nous avons les ministres qui ont fait le déplacement ici pour galvaniser psychologiquement cette équipe. Théophile, il s'agit là du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, Abdoulaye Ngardignan. Et juste derrière Abdoulaye Ngardignan, il y a le ministre de la Communication, il s'agit là de Hassan Sila. Et il y a bien d'autres grandes personnalités qui ont fait le déplacement du stade Idriss Mahamat Ouya pour encourager et galvaniser l'équipe nationale. Oui, Mamatair, avec vous, la composition, donc la formation tchadienne. إذن أعزائي المشاهدين نلاحظ أمامنا هنا المنتخب التشادي والذي يدخل في هذه المباراة في حراسة المرمى الحارس ديلا، كذلك رقم 6 نجيم، رقم 14 كوستا، وكذلك اللاعب رقم 5 كيفن، اللاعب رقم 15 أسلمو، واللاعب رقم 8 محمد أزرق، واللاعب رقم 3 مورغان، اللاعب رقم 18 زكال لابو، اللاعب رقم 13 نينغا كازيمير، واللاعب رقم 10 ماريوز، واللاعب رقم 11 إيزاكيل. بالنسبة لإحتياطيي المنتخب الساو، هناك 18 رقم 18 آدم ضيف الله، وكذلك حسن حسين وكيديكي إيلير وكانا وليجي وفيرديناند وكارل ماركس. Ce sont les Malawites qui viennent juste d'être salués par le ministre ici. Il s'agit de Sidim, le gardien de but malawite, qui porte le dossard numéro 16. Bachir porte le dossard numéro 19. Landes porte le dossard numéro 4.
Foster porte le dossard numéro 5, Moses porte le dossard numéro 3, Philippe le dossard numéro 15, Chimangogo porte le dossard numéro 12 et John Banda porte le dossard numéro 2. Badinho porte le dossard numéro 11, Joseph Namundo porte le dossard numéro 10 et l'homme qui a marqué le deuxième but de Malawi, il s'agit là d'Asujoy qui porte le dossard numéro 18 et l'entraîneur s'appelle Yang Shimodozi. Donc Théophile, l'effectif qui a joué contre l'Essao à Lilongwe est la même, hein, est la même, ses joueurs et même l'attaquant qui a marqué le deuxième but, Malawi, est toujours là. Il s'agit de ce garçon, Adoussou Dia, qu'il faut tellement suivre ce soir. Oui, il faut dire que la plupart des joueurs Malawi évoluent dans un bon championnat, en particulier les championnats sud-africains, avec le capitaine Moses. Et il faut faire très attention à Chibonda. C'est celui-là, c'est... Il a... Du Tchad vient juste d'être exécuté. Madi, l'Union Sacrée est déjà là derrière les Sao. Qu'est-ce qui manque encore pour le 11 national? Oui, innocent, comme je le disais tantôt, donc, les Sao ont compris. Ils ont compris donc la nécessité de la motivation du public qui a fait le déplacement, le plein donc ce soir au stade Idriss Mamat Ouya pour les soutenir. Les Sao n'ont plus droit à l'erreur. Ils ont toute l'obligation, comme je le disais tantôt, vu cette mobilisation, est-ce qu'il y a encore une raison pour les Sao de pouvoir accepter une défaite cet après-midi? C'est impossible. Et je crois que le moral est au beau fixe également pour permettre donc de renverser la tendance, quand bien même on sait que l'équipe du Malawi n'est pas venue pour une balade de santé non plus. Et remonter deux buts n'est pas peut-être... c'est difficile, mais peut-être pas impossible, innocent. Alors, Théophile, très rapidement, la composition de l'équipe nationale. Tout à l'heure, Tari a déjà donné en arabe. Alors, nous allons peut-être écouter quelques commentaires de Tahir avant de démarrer le match. أعزائي المشاهدين إذن هنا كل الترتيبات والتجهيزات منصبة نحو ملعب إدريس محمد أويا الرياضي لهذه المباراة وقد جاءنا للتو زميل محمد حسن لنعطيه الميكروفون لكي يلقي بعض النظرات الصائبة حول المنتخب التشادي والجماهير التي جاءت مؤازرة لهذا الفريق حقيقة الزميل محمد صالح الآن مشاهدي الفضائية التشادية جميع كل المؤيدين والمشجعين لمباراة كرة القدم التمهيدية بين الفريق الملاوي ومنتخب الساو منتخبنا الوطني الآن الجماهير مستعدة في غاية من الحماس وبالصراخ المدوي لهذه المباراة التمهيدية حقيقة الآن هذا الجو مفعم بالتشجيع وبكل الأتاد الأخ محمد طاهر ما رأيك في تحليل هذه المباراة؟
إذن حقيقة إنها مباراة جميلة ومباراة صعبة بالنسبة للمنتخب التشادي، ولكن ليس هناك شيء مستحيل بالرغم من أن المنتخب التشادي خسر بهدفين نظيفين في عقر الملاويين، إلا أنه اليوم أمام عرضه وأمام جمهوري فينبغي له إحراز ثلاثة أهداف نظيفة حتى يتأهل إلى هذه المباراة، وأمالنا كلها تنصب مع المنتخب التشادي، فنقول حصل سعيدا للمنتخب التشادي في هذه المباراة. Voilà, Théophile, nous allons peut-être attendre quelques secondes, mais vous avez certainement des informations sur l'équipe nationale, sur les Malawites également sur l'équipe nationale. Vous avez certainement des choses à dire pour le public avant de démarrer ce match très attendu. Oui, Innocent, il faut dire pour la petite histoire que le Malawi a obtenu son indépendance en 1964. Bien avant donc cette indépendance, le Malawi déjà jouait dans les compétitions de la Confédération africaine de football CAF qui a été créée en 1957. Donc le Malawi a fait le 15 octobre 1962, le Malawi a joué son premier match international. Le Malawi a été malmené par la Gold Coast, à l'époque c'était le Ghana, Côte de l'Or. Donc le Ghana a battu le Malawi par 12-0. Mais déjà, le Malawi s'est rattrapé en 2008. Donc lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, le Malawi qui était dans la poule D en compagnie du Nigeria, de la RDC et du Mozambique, le Malawi a donc battu le Botswana par 8-1. Donc c'est pour dire que c'est une équipe qui a vraiment des atouts, surtout sur le plan offensif, et il faut que les SAO se méfient. Une victoire à domicile n'est pas donnée parce que c'est un adversaire qui nous connaît et qu'on connaît très bien. Justement, quelle est la tactique que mène souvent cette équipe qui a récemment battu la RDC? Voilà, il faut dire que le Malawi évolue sur des contres. C'est une équipe qui joue un football britannique, c'est-à-dire le football anglais, avec des longues balles, un décalage sur le côté, le centre du côté opposé, et c'est très dangereux quand ça arrive dans la surface de réparation. Le seul défaut, c'est que l'équipe est constituée de joueurs de petite taille, ce qui peut aussi profiter aux Tchadiens, comme leur nom l'indique, des SAO, qui sont un peu de grande taille. شكرا أعزائي المشاهدين، نحن في انتظار. إذن كل هذه الجماهير تؤازر هذا الفريق وتؤازر هذا المنتخب الذي هو أمام عرضه وجماهيره، كل الجماهير تنصب، كل الجماهير متمنية النفس في هذه المباراة أمام هذا المنتخب الوطني، منتخب الساو الذي لم يتأهل إلى تصفيات كأس الأمم الأفريقية، فهنا الفرصة السانحة في هذه المباراة وفي هذا الملعب وأمام هذه الجماهير الغفيرة المؤازرة التي خرجت بكل ما تملك من قوة لمؤازرة هذا المنتخب، فتأمل من منتخبها الوطني بأن يشد المئزر وأن يشمر سواعده للفوز في هذه المباراة بثلاثة أهداف نظيفة حتى يتأهل إلى المباراة التمهيدية، فكل الأمل وكل الفوز للمنتخب التشادي. الزميل محمد حسن، المنتخب التشادي اليوم ينبغي له إحراز ثلاثة أهداف حتى يتأهل إلى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية. بلا شك لأن المباراة سجال يوم بيوم، فهذا اليوم هو يوم المنتخب الوطني الساو، وسوف يحقق بإذن الله تعالى ثلاثة أهداف نظيفة في أرضي وفي وطني وأمام كل شيء، أمام كل العتاد، أمام كل التجهيزات، فنحن نتمنى ذلك. الزميل محمد طاهر. شكرا زميل محمد حسن. Alors Théophile, si nous prenons l'équipe nationale amenée par Emmanuel Trégoat, est-ce que cette équipe a des potentialités ce soir malgré qu'ils ont perdu 2-0 au Malawi? Oui, il faut dire que la plupart, un bon nombre de ces joueurs qui ont évolué au match aller, c'est pour leur première fois donc de porter les couleurs nationales. Et nous espérons déjà, avec ce travail fait après le retour du Malawi, va permettre quand même aux joueurs d'entrer dans le schéma tactique de Grégoire, donc l'entraîneur des SAO. Et j'espère qu'il l'a dit hier. Et nous espérons également que de part et d'autre, les choses vont changer. Alors, sur la composition de... Sur les 11 qui affronteront les Malawites, il n'y a que deux joueurs qui évoluent dans le championnat local. Il s'agit du gardien de but Dila, qui est sociétaire de Fula, et Constant Dascote. Est-ce qu'à ce niveau, ceux qui sont venus des championnats
divers comme en Europe, en Afrique, peuvent bien comprendre les deux locaux. En tout cas, nous espérons tout à l'heure, nous allons voir ce qui va se passer sur le terrain. Et déjà, nous avons des joueurs habitués dans cette équipe. Ngar Ezekiel, Zagal, Mbayam Narcisse, ils ont déjà évolué face à cette équipe. Et je pense, avec l'expérience qu'ils ont eu à accumuler, ils peuvent faire quelque chose, Mama Tahir. أعزائي المشاهدين هذه المباراة بدأت المباراة أو انطلقت المباراة كادت أن تنطلق لولا استرجاع الحكم لهذه الكرة فالآن على الفريقين على استعداد إذن بدأت المباراة بحمد لله وسلامته لهذه الكرة ونأمل ونفوز من هذه المباراة إذن المباراة بدأت المباراة أعزائي المشاهدين الكرة في ملعب المنتخب الملاوي ونحن نشاهد أيضا ضربة سريعة للمنتخب الملاوي بدأ ومقطوعة من الدفاع التشادي ورمي التماس لصالح المنتخب التشادي إذن المنتخب التشادي يمني نفسه أعزائي المشاهدين في هذه المباراة بفوز أمام المنتخب الملاوي وكل الحظ وكل التوقعات تصب لصالح المنتخب التشادي والدفاع يقطع كرة لصالح المنتخب الملاوي Et là, c'est Constant de AS Coton Tchad, l'un des rares joueurs évoluant dans le championnat de la Ligue d'N'Djamena. Bayam Marus de Grenoble, l'ancien capitaine donc de Sao qui laisse la balle pour Asselmo Massama, l'ex-sociétaire de Fula Edifice qui évolue maintenant au Gabon, plus précisément dans l'équipe de l'Union Sport de Mbilia Nzambi au Gabon. Donc, les Tchadiens qui vont tenter de récupérer. Avec Ninga qui évolue aussi dans le championnat gabonais. Il obtient quand même le corner. Voilà Ninga, l'ex-sociétaire de Renaissance et qui est actuellement le meilleur buteur du championnat gabonais de première division. Il faut le préciser, le numéro 13 tchadien. Justement Théophile, à propos de Ninga, Ninga vient de vient d'amener son club au titre du championnat. Le corner très rapidement joué. Sur la tête d'un joueur tchadien et la balle passe en touche. Donc, à propos de Ninga, qui est meilleur joueur en ce moment du championnat gabonais, il est aujourd'hui à la pointe de l'attaque de l'équipe nationale. Alors, les Sao qui viennent de commencer très très fort ce début de match en obtenant un corner qui est juste passé à côté, ça va reprendre avec Sidim. Sidim, le portier malawite qui envoie la balle. Et la balle qui, ça vient juste de démarrer, les Tchadiens ont compris qu'il faut aller vite, il faut chercher le but très tôt. Oui, il faut aller vite, très très vite, d'ailleurs innocent, parce qu'il va falloir remonter les deux buts encaissés au Malawi et ensuite marquer un but qui doit mettre donc les Sao en confiance avec le public et obtenir cette qualification. Il faut marquer autant de buts, marquer plus de buts que d'en encaisser. Même pas un seul à souhaiter cet après-midi ici au stade Idriss Mamad Ouya. Et je crois que le staff technique a bien compris la chose et il a dû donc allier une équipe beaucoup plus offensive. Et comme vous le constatez sur le terrain, Innocent, c'est une équipe qui se cherche, que seul le chemin du but intéresse pour cet après-midi. Justement avec Marius, Mohamed Zagal, Morgan, Ezekiel et Casimir, là Théophile, c'est une équipe à vocation offensive. Oui, Mama Tahir, là ce sont des joueurs qui ont évolué dans des grands championnats. Le championnat belge avec les joueurs de l'Okeren, nous avons les joueurs de Lokomotiv qui sont des joueurs qui évoluent dans le championnat bulgare. C'est à ne pas confondre avec Lokomotiv de Moscou qui est une équipe de première division russe. Et ici c'est Lokomotiv de Sofia, la capitale de la Bulgarie. Donc le sociétaire de AS Coton Tchad, Maitong, avec Anselmo Kulutu, qui trouve là Kevin. Kevin qui remonte tranquillement dans l'axe. Il va solliciter Ngar Ezekiel, le sociétaire de club africain de Tunis. Ngar qui a tenté une aventure en Russie, mais après un match et un carton rouge, il faut le signaler, les Russes se sont désintéressés de lui. Il est obligé de revenir en Tunisie. C'est le club africain que Ngar joue pour le moment, c'est lui qui commet cette faute et ça va permettre au Malawi de repartir peut-être sur un coup franc Théophile. Et ce garçon a également de la potentialité, mais seulement deux fois c'est un problème de comportement. On reproche toujours à Ngar Ezekiel.
puis on a encore des souvenirs, hein, des tristes souvenirs de ce jeune qui a failli se battre avec son entraîneur, en l'occurrence Modou Kouta. Mais nous espérons qu'avec le temps, l'expérience, Ngar aurait dû changer. La récupération est Malawite. Et une intervention qui donc profite ici à la formation Malawite, appelée communément les flammes de Malawi. إذن كرة خارج أرضية الملعب المنتخب الجادي مدجج بكل اللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية سيما الأندية الفرنسية في الدرجة الثانية. أيضا نلاحظ بالنسبة لمحمد أزرق الذي يلعب انتقل إلى نيقوسيا القبرصي بعد أن كان في إسبانيول دي بارسا في العام الماضي، وهناك العديد من النجوم الجاديين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية. ولا ننسى أيضا إزاكيل نغار إزاكيل الذي أيضا يلعب في الفريق الإفريقي. نلاحظ أيضا نينغا كازيمير الذي كان هداف الدوري الغابوني. إذن هناك العديد من النجوم الجاديين يلعبون في هذه المباراة، ولم يبقى شيء سوى التهديف. الوقت يداهم الفريق الجادي في هذه المباراة، ونمن النفس بأن المنتخب الجادي أن يفوز في هذه المباراة. إذن رمي التماس لصالح المنتخب الجادي، والدفاع ما زال يمرر الكرة عالية باتجاه المرمى، والكرة في يد حارس المرمى منتخب ملاوي. إذن حتى هذه اللحظة أعزائي المشاهدين 0-0 بين المنتخبين، منتخب الساو منتخبنا الوطني ومنتخب ملاوي في هذه المباراة الحاسمة، والمباراة التي هي المباراة الفاصلة لكلا الفريقين بالتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقامة عام 2015 بالرباط المغربية. إذن كرة مقطوعة من قبل منتخب ملاوي، ورمي التماس لصالح منتخب تشاد. يستلم الكرة اللاعب رقم 3 مودغي، وتمريرة سريعة في خط الوسط. اللاعب رقم 12 زاكيلابو يمرر كرة سريعة، استلام، كرة ما زالت في محور الوسط، استلام مرة أخرى في خط الوسط، تمريرة سريعة باتجاه المرمى، وكرة مقطوعة رأسية. اللاعب يستلم كوستا، وكرة مقطوعة خارج أرضية الملعب. إذن أعزائي المشاهدين حتى هذه اللحظة 0-0 بين المنتخبين، المنتخب الملاوي والمنتخب التشادي منتخب الساو. Zéro but partout, magie, nous constatons qu'au niveau de l'attaque de la ligne d'attaque tchadienne, il y a un petit fléchissement. Les attaquants ne répondent pas du tout aux sollicitations des milieux de terrain, et là, ça risque d'être un peu difficile parce qu'en football, ce qui compte, ce sont les buts. Oui, tout à fait Théophile, parce que nous l'avions dit tout au début, donc avant le début de cette rencontre, que les SAO n'ont qu'un seul chemin à suivre, c'est le chemin de but. Il va falloir multiplier les actions beaucoup plus offensives pour permettre. Donc attention, oh là 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 là, et ce n'est pas vrai. Une main, voilà, je le disais tantôt. Et pendant qu'on parlait, Kanouba, on est arrivé donc à cette action qui a failli donc faire mouche au camp malawite. N'eût été donc cette main qui est venue sauver donc le Malawi. Il y avait chaud d'alerte dans le camp malawite. Les Tchadiens qui repartent avec Ngar Ezekiel fauché. Ça serait un coup franc pour les Tchadiens, et c'est Ngar Ezekiel qui se lève. Tout à l'heure, il y avait une main. Mais peut-être que l'arbitre était très loin de l'action. C'est comme ça, Théophile, le pénalty n'a pas été accordé. Nous allons suivre ce coup franc qui sera, c'est Azarak, la frappe de Azarak qui s'écrase sur la tête des Malawites qui vont repartir. Les Malawites qui ont eu très chaud tout à l'heure, Théophile. Sinon, c'était véritablement une occasion pour les Tchadiens. Les Malawites qui reviennent dans le camp des Tchadiens, il s'agit là de Landes. Landes, la récupération des Tchadiens et la balle qui va sortir finalement. Touche, Théophile. C'est un corner. Nous avons comme l'impression que la ligne d'attaque tchadienne nous a suivis, parce que là, sur cette action, il y a une contestation de la part des attaquants tchadiens qui criaient déjà au pénalty. Je pense que nous n'allons pas vivre le cauchemar de Noumansé Désiré. Vous vous rappelez de cet arbitre ivoirien? Mais justement, c'est celui-là qui a donné des pénaltys qu'on ne peut pas justifier à l'équipe adverse. Ce jour-là, c'était contre les SAO ici.
et à la même formation Malawite, il a accordé pénalty et il a refusé le hors-jeu signalé par son assistant et qui a accordé vraiment les deux buts à la formation Malawite. Pour l'instant, c'est Maitoingé. Je le disais, c'est l'un des rares des joueurs évoluant dans le championnat de N'Djamena, le sociétaire de Ascoton Tchad, qui joue la touche. La récupération des labos en direction de le milieu de terrain récupère. Les Tchadiens, Maitoingé, qui cherche un coéquipier. Et là, il trouve un gars dans l'axe. Je le disais, la ligne d'attaque tchadien garde toujours son oreiller et c'est un peu difficile. Et c'est Mbaya Marius, le sociétaire de Grenoble. Il n'a pas été compris. C'est donc Philippe qui joue pour Chulumbwe. Et là, il y a une faute, estime donc l'arbitre sénégalais en la personne de Malang Djedjou. Et il est assisté par Babacar Sen et l'Alhaji Malik Samba. Et c'est ingrat pour nous de ne pas... Tous sont nationalité sénégalaise hein, et qui sont là aujourd'hui. Et sinon, le commissaire, c'est un Algérien, en l'occurrence de Boubacarou, et là aujourd'hui. C'est le Sénégal qui est là en ce moment pour ce match, Théophile. Le voisin de la Côte d'Ivoire, Mamata Ahmad. فعلاً المنتخب الملاوي مدجج بكثير من اللاعبين الذين يستلمون بعض الجنسيات سيما الدول المجاورة لمنتخب الملاوي فمنتخب مدجج بجميع النجوم ولكن هذا لا يؤثر على المنتخب التشادي في هذه المباراة إذن الحارس يشير إلى خطأ لصالح المنتخب التشادي ومورغان هو الذي أخطأ فيه اللاعب الملاوي إذن حكم هذه المباراة هو حكم السنغالي الذي يدير هذه المباراة موالانغا ديدو وكرة خارج أرضية الملعب إذن الوقت يمضي بسرعة والمنتخب التشادي ما زال يسيطر على هذه الكرات ولكن هذه السيطرة لم تجدي نفعا ما لم يكن هناك تسجيل للأهداف فلا بد للمنتخب التشادي أعزائي المشاهدين أن يحرز الأهداف الثلاثة التي تؤهله ضربة سريعة لحارس مرمى منتخب ملاوي سجيم وكرة عالية مقطوعة رأسية من الدفاع الملاوي ويشير الحكم إلى تلعب الرمية رمية سريعة مقطوعة في وسط الملعب لصالح المنتخب الملاوي استلام في وسط الملعب وكرة خارج أرضية الملعب لصالح المنتخب التشادي رمية التماس لصالح المنتخب التشادي كيفن في استلام هذه الكرة وتمريرة سريعة في وسط الملعب لمحمد أزرق يمرر الكرة في وسط الملعب أيضا استلام سريع كرة مقطوعة مرة أخرى إلى حارس المرمى التشادي ديلا إذن ديلا يحرز الكرة إلى كوستا وكرة عالية إلى الجناح الأيمن لمنتخب الساو رقم 14 كرة مقطوعة في وسط الملعب المنتخب الملاوي يسيطر ولكن كرته خارج أرضية الملعب إن لم تكن ضربة ركنية إذن ما زال أعزائي المشاهدين رمية التماس C'est donc une touche pour la formation tchadienne à Selmo qui a été sollicité par Constant. Une longue balle, il faut dire, magie. Les Tchadiens commencent par perdre maintenant un peu la bataille au milieu du terrain. Attention à cette balle qui est renvoyée par le mur défensif Malawite. Une récupération dans l'axe. Les Malawites qui gardent et temporisent le jeu avec cette longue balle. Attention. Et Dila, intelligemment de la tête, il met la balle en tête. Justement, Théophile, la balle sortait, s'il prenait entre les mains, ça serait une sanction pour Dila. Dila a compris, il a envoyé cette balle de la tête qui est sortie et c'est la touche pour les Malawites, la touche qui sera tout à l'heure exécutée par Bachir. Bachir, le numéro 19, ça serait une touche en 30, ça c'est sûr. Non, sinon, il joue en retrait avec Foster. Foster, la récupération d'un gars Ezekiel. Gars Ezekiel qui temporise un peu, il va chercher un appui. Et il obtient une touche. Il obtient une touche. Théophile, tout à l'heure, nous avons vu que l'attaque tchadienne a commencé un peu
à fléchir. C'est vrai parce que là, le milieu n'a pas alimenté comme il se doit l'attaque et ça va repartir cette fois-ci du côté des Tchadiens. La récupération est très rapidement du côté des Malawites. Théophile, il y a quelque chose au niveau du milieu qui tourne mal parce que là, Marius n'est pas en place, Azarak également. Et ce sont ces deux garçons qui doivent alimenter de temps en temps Ngar Ezekiel et surtout Ninga Kazmir qui est en forme hein, ce soir. On verra, il reste encore. On a joué 10 minutes, Madi, 10 minutes. On ne peut pas tirer déjà une leçon hein, durant ce temps. Alors ça va repartir avec les Malawites, avec ce garçon qui a déjà marqué le deuxième but contre les Sao. Et cette fois-ci, ça va repartir pour les Tchadiens avec Morgan. Morgan qui récupère cette balle, Morgan qui va aller vite. Morgan qui met en vent 3-4 et qui obtient quelque chose. Là, il a été, y a une obstruction. Morgan, il était bien parti. Et attention à ce geste du joueur Malawite. Là, il joue sur le temps. Morgan qui a fait découvrir tout à l'heure son talent pour le public sportif. La reprise et le mur défensif, je le disais, les Tchadiens sont lents à agir sur... Attention, c'est le but Tchadien. Mamataïr, le Tchad qui ouvre ici la marque par l'intermédiaire de Ngar Ezekiel, le sociétaire de l'équipe tunisienne, du club africain de Tunis. Il vient là de se réconcilier avec le public sportif parce que là on garde un très mauvais souvenir d'Ngar. Alors Théophile, s'il faut expliquer ce but, comment ce but est arrivé, Ngar Ezekiel qui était parti en chandelle, qui a déjà trompé la vigilance de la défense et il s'est retourné comme Didier Drogba l'a fait, il a envoyé la balle au fond du filet. إذن أعزاء المشاهدين هدف للمنتخب التشادي من لاعب نجار إزاكيل لاعب الفريق التونسي الذي أحرز هذا الهدف وبذلك الهدف فرح الجمهور التشادي ولو لم تكتمل الفرحة زميل محمد حسن لو لم تكتمل الفرحة إنه هدف نظيف الآن الفرحة عمت كل الجماهير الفرحة عمت كل الجماهير إذن أعزاء المشاهدين هذا الهدف يكون بادرة خير وافتتاح للمنتخب التشادي وكذلك للملعب الذي مضجج بجميع الجماهير التي جاءت لهذه المباراة فنأمل من المنتخب التشادي مضاعفة هذه الأهداف حتى يكون مؤهلا في هذه المباراة مرة أخرى والجميع كله يكون إلى الأمام منتخب الساو منتخب الساو الهجوم مرة أخرى كرة مرفوعة عالية Deuxième but, c'est goal, 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 goal. Al Jamhour متفائل بهذا الهدف. هدف ثاني, هدف ثاني, هدف ثاني للمنتخب التشادي. Ninga Kazimir, Ninga Kazimir. يسجل الهدف الثاني في غضون دقيقتين متوازيتين. دقيقتين يفرح بها الملعب التشادي ملعب إدريس محمد أويا هذه الجماهير الغفيرة التي جاءت لمؤازرة هذا المنتخب التشادي فلن يخيب ظنون المنتخب التشادي هذا الجمهور نينجا كازيمير المرة الثانية يفعلها والله إنه يفعلها ويفعلها ثم يفعلها للمرة الثانية أعزائي المشاهدين نينجا كازيمير le sociétaire de Manga Sport du Gabon qui permet au Sao de marquer le deuxième but Ninga Kazimir le sociétaire de Manga Sport du Gabon est meilleur buteur à l'heure actuelle du championnat gabonais Magi Magi il faut dire que les pendules sont remises à l'heure
Oui, après donc les deux matchs cumulés, les pendules, vous le dites si bien, est voilà, les Sao qui viennent de mener au score 2-0, égalité de but donc en match aller comme retour. Et présentement, il leur faut un but pour se mettre à l'abri. Les Sao qui n'ont pas démérité ce soir, et ce garçon de Ninga Casimir qui a fait ses preuves donc dans le championnat gabonais vient de faire preuve de cette performance, de cette bonne santé physique footballistique attendue par là. Donc Ninga qui vient de donner donc l'avantage à nouveau au Tchadien. 2-0 pour le Tchad face au Malawi. Alors Ninga Casimir qui envoie le public en confiance, qui fait renaître la confiance ici. 2-0 en espace de 5 minutes, les Tchadiens ont marqué 2 buts coup sur coup. Et maintenant, il faut gérer et chercher à marquer un troisième et quatrième synonyme de qualification. Alors, nous sommes encore très loin. Pour le moment, c'est les Malawites qui obtiennent un coup franc et c'est le numéro 10, Adoussa, qui laisse pour un autre la défense tchadienne qui renvoie cette balle en touche. Un dégagement un peu précipité de la part donc, du mur défensif tchadien. Et ce sont donc les Malawites, Moses Kawanda, qui joue à Selmo. Il renvoie à Selmo. Attention avec Labo qui récupère avec cette balle de Ngare Ezekiel. Ngare Ezekiel qui fixe. Va-t-il centrer? Il réussit. Le centre. Attention à cette balle. Labo qui est passé à un seul chevet. Du troisième but innocent. Justement Théophile, Mamad Labo qui est passé à quelques millimètres près du troisième but. Sur ce centre, sur le travail bien fait d'Ngare Ezekiel avec ce centre, on a l'espoir sur les Sao. Ça va repartir du côté des Malawites. Il faut faire très attention à Moses. Moses, c'est les Tchadiens qui vont repartir avec Anselmo. Anselmo qui envoie la balle en touche. Le défenseur du New Sport, Milian Zambi du Gabon, qui met la balle en touche. Les Malawites sur le côté gauche. Attention, cette longue balle. Attention à cette tête de Maitoingé. Là, il y a incompréhension entre le latéral droit de l'AS Coton Tchad et le gardien de Fula Edifice, Tila. Oui, Théophile, attention aux Tchadiens. Il ne faut pas se précipiter sur des balles aériennes comme tout à l'heure. Constant a failli tromper Tila. Alors nous allons suivre ce corner qui sera exécuté tout à l'heure sur à la Rénoise. Attention à ce dribble de Malawi. La récupération de Kevin qui joue cette fois-ci, cherche Marius qui joue cette fois-ci avec Morgan qui va aller très rapidement. Il est très technique. Il transmet à Ezekiel qui lance de l'autre côté. On va chercher Mamad Zagan. الهدف شاهدين المباراة على عكسها 15 دقيقة، هدفين لصفر لصالح المنتخب التشادي. الهدف الأول في الدقيقة 12 من اللاعب رقم 11 نينجا أنجار إزاكيل، والهدف الثاني في الدقيقة 15 من نينجا كازيمير. إذن المنتخب التشادي تلقى بعض الكرات كادت أن يحرز منها أهداف، ولكنه فحتى هذه اللحظة هدفين لصفر. إذن المنتخب التشادي ما زال على أشد، والمباراة ما زالت في وطئتها. المنتخب التشادي يمني نفسه بأن يفوز في هذه المباراة. محمد أدرك رقم 8 يحاول إلى كرة مقطوعة إلى الدفاع وكرة خارج أرضية الملعب. رمي التماس لصالح المنتخب أسلمو، هو الذي يلعب رمية التماس لصالح المنتخب التشادي. إنكوكوستا فوستا يلعب رمية التماس وكرة أيضا مقطوعة خارج أرضية الملعب. مرة أخرى أعزائي المشاهدين، الحماس داخل الملعب، والجماهير. كوستا يلعب رمية التماس لصالح المنتخب التشادي ولكنها مقطوعة من المنتخب الملاوي. إذن المباراة في وسط الملعب والدفاع الملاوي، كرة مرفوعة عالية باتجاه المرمى إلى الجناح الأيسر ولكنها مقطوعة من الدفاع. إذن كرة عالية مقطوعة باتجاه المرمى، رأسية لصالح المنتخب الملاوي. الكرة في أرضية الملعب، تمريرة لصالح المنتخب الملاوي، استلام جميل
التمرير مرة أخرى والدفاع الجادي يقطع الكرة في هذه اللحظات. إذن كرة سريعة، كرة سريعة لصالح اللاعب، مقطوعة مرة أخرى. Les Malawites, attention avec cette position de hors-jeu du numéro 18 en la personne donc de Adusei Nyondo, celui-là même qui a marqué le deuxième but. Et là, il guette donc la défense tchadienne pour pouvoir profiter du faille. Gare Ezekiel aux prises là avec le latéral droit de cette formation. Les Malawites mettent à jeu dans leur défense une longue balle. Attention à cette balle. Et là, il y a une position de hors-jeu. Les Tchadiens ont su maintenant mettre en place une tactique pour mettre cette équipe, surtout la ligne d'attaque, dans leur piège. Justement, parce que c'est de là où les Malawites passent toujours dans le dos de l'adversaire, ils ont compris. Innocent, je le disais, c'est un football britannique avec de longues balles et on prend au dépourvu l'adversaire, appelé communément le système de contre-attaque. Justement, les Tchadiens ont déjà rectifié les leçons, ils ont tiré les leçons de Malawi. Et c'est pourquoi tout à l'heure, il y a eu deux joueurs de Malawi qui sont signalés en position d'orge. Ça va repartir pour les Tchadiens. Malheureusement, Morgan est arrivé avec un retard. Alors la Théophile, aujourd'hui, la position de Morgan était différente à celle du match aller. Parce que Morgan, il jouait, c'est un milieu offensif. C'est un milieu offensif. Aujourd'hui, il se met comme un deuxième attaquant. Il faut reconnaître que ce jeune, aujourd'hui, constitue le véritable porteur d'eau de cette formation tchadienne. إذن أعزائي المشاهدين نشاهد هذه الكرات بين المنتخب التشادي وكرة في أرضية الملعب. استلام جميل لصالح الجناح الأيسر نينكا كازيمير يستلم ولكنه خطأ لصالح المنتخب التشادي. إذن إذا كان يتلقى ضربة أو اللاعب الحكم يشير إلى خطأ وتحذير للاعبين من الأخطاء. إذن مرة أخرى تنفيذ هذه اللعبة، اللاعب رقم 10 ماريوس ويسدد إذا كان كرة في وسط الملعب واستلام جميل تصويبة لكن يلعب كرة خارج أرضية الملعب. إذن الدفاع متراجع نوعا ما. أعزائي المشاهدين ينبغي للمنتخب التشادي في نفس الحماس، وخطأ لصالح المنتخب التشادي من كيفن المدافع. كيفن منتخب الساو يتلقى بطاقة صفراء وتعمد غير. Voilà, le tout premier carton jaune, c'est donc Kevin, le libéro de cette formation de Sao, le stopper autant pour moi. Il joue au poste de stopper parce que c'est Anselmo qui joue là donc au poste de libéro. Et c'est donc le tout premier carton jaune de cette rencontre adressé donc à Kevin au Sao du Tchad. Kevin qui évolue à Bruxelles, et là ça va repartir, ça va donner une... position d'un coup franc très rapidement joué par Moses dans les bras de Dila. Dila qui renvoie très rapidement. Ça va repartir avec Ngare Ezekiel de l'autre côté. Ngare Ezekiel qui contrôle sa balle. Ngare Ezekiel prie. Sinon, c'était déjà. Oui, ça va repartir avec Azarak. Azarak qui lève la tête, qui va jouer cette fois-ci avec Constant. Constant latéral. Constant. Constant qui cherche en profondeur Morgan ou Labo, mais ne les trouve pas, Théophile. Attention à cette des balles balancées. Et là, les Malawites sont bien positionnés au milieu du milieu de terrain. Je le disais, c'est donc un renvoi du mur défensif tchadien avec Mbaya Marius qui perd le contrôle. Les Malawites. Constant, ils ont bien compris. Si jouaient avec le gardien, ça allait être du lait sur le feu. Ils ont une dame à l'Alfarir, l'Achim Makawi, ou Morgan, ils ont une courte, ou la courte au Kharij Ardet al-Malab. Ils ont un Zamil Makawi,
ينضم الى الفريق الزميل مكاوي. مباراه تشاد وملاوي 2-0 حتى هذه اللحظه، فهل يا ترى ان المنتخب التشادي قادر لاحراز هذه البطوله؟ اولا اهلا وسهلا بكم اعزائي مشاهدي القناه الفضائيه تيلي تشاد، اهلا وسهلا بكم في المباراه الاروع والاسخن، مباراه الساو ضد فريق الملاوي. وكما تلاحظون فان هناك تقدم من قبل فريق منتخبنا الوطني على فريق الملاوي، وذلك ياتي بالعازه والفرحه على وطننا تشاد كله وعلينا نحن خاصه. اعزائي المشاهدين كما تشاهدون فان حيثيات المباراه الى الان مستمره، وكما ترون تقدم منتخبنا على هذه المباراه. والان الكره لدى مهاجمي فريقنا في وسط الملعب، كره الان في وسط الملعب لدى لاعبي الساو. الله، هجمة لكن راحت في آخر الليالي. Oui, les Savo se sont réveillés un tout petit peu, mais 2-0 pour l'instant. Le Malawi et les Savo du Tchad sont à égalité. Les Savo doivent mettre le pied sur l'accélérateur s'ils veulent obtenir leur qualification. Alors nous allons suivre cette occasion de coup franc Théophile. Ça va permettre aux Tchadiens... Ça va permettre aux Tchadiens à soit à Théophile. On va suivre ce coup franc Théophile. Marius est sur ce coup franc. Marius est sur ce coup franc. Nous allons suivre ce coup franc. Alors Théophile, nous allons suivre ce coup franc de Marius. Ce coup franc majestueusement à cette distance, on peut s'attendre à quelque chose. Marius qui cherche la tête de Ngar Ezekiel mais ne le trouve pas. Les Tchadiens vont repartir cette fois-ci avec Nedim qui va chercher la tête de Ngar Ezekiel, et cette tête va directement dans les bras de Sidim, le gardien de but malawite Théophile. Là, Madi, nous jouons déjà une trentaine de minutes, 2-0 pour les Tchadiens, mais le troisième but manque encore. Oui, Innocent se contenter de ces deux buts marqués serait la plus grosse erreur technique qu'aurait commis donc le staff technique des Sao du Tchad. Il va falloir coacher le match, essayer de mettre un peu de la pression pour permettre donc à cette équipe tchadienne qui est en train de pousser dans la ligne offensive de pouvoir inscrire le but tant attendu par le public tchadien. Eh bien, tout à l'heure, c'était une occasion nette de but. Malheureusement, la ligne offensive tchadienne n'a pas pu donc concrétiser cette action. C'est le gardien qui s'est plongé donc sur la balle pour la récupérer. Maintenant, on joue toujours dans le camp tchadien, mais ce sont les Tchadiens qui ont pour l'instant la maîtrise de la balle. Et puis, voilà. Alors, les Tchadiens, tout à l'heure, ont la maîtrise, mais il manque le dernier but. Le dernier but, peut-être le troisième ou le quatrième, pour donner une chance de qualification au Savo. Alors là, Tailleur, nous sommes encore très loin pour ça. Alors là, les Malawites vont repartir cette fois-ci avec Landès qui cherche la tête de Moses. Moses qui laisse pour Adoussaye. La récupération, elle est du côté des Tchadiens qui vont repartir cette fois-ci avec Mamad Labo. Mamad Labo, ça va repartir le 1-2. Mamad Labo qui récupère la balle hors de la touche. Shukran a'zal mouchahidin. Mourratan ukhran uhayyikum min mal'ab Idriss Mohamed Oya. Linnakla al-hay wal-mubashir li mubarat Tchad wa Malawi. Mazal al-fariq Tchadi yataqaddam bi hadafayn nazifayn dun al-rad. Wa al-kura fi wasat al-mal'ab. كرة سريعة باتجاه الجناح الأيسر للمنتخب التشادي لكنها مقطوعة من الدفاع الملاوي. إذا رمي التماس لصالح المنتخب الملاوي. رمي التماس لصالح المنتخب التشادي. الرمية هذه اللعبة من قبل اللاعب نجيم. اللاعب نجيم يستعد لرمية التماس ورمية ملعوبة في داخل
خط الوسط ولكنها مقطوعة من الدفاع. كرة عالية باتجاه المرمى وهناك خطأ، لكن سيد الحكم لم يشير إلى هذا الخطأ. المنتخب الملاوي مرة أخرى يحاول هجمة مرتدة لصالح المنتخب الملاوي، ولكن هذه الكرة عالية مرفوعة باتجاه المرمى، مقطوعة رأسية من الدفاع. أسلمو مرة أخرى، استلام للمنتخب التشادي في وسط الملعب، تمريرة، استلام جميل، استلام جميل للجناح الأيمن، كرة إلى خارج، كرة في وسط الملعب. مرة أخرى المنتخب التشادي يلعب هذه الباصات القصيرة والتمريرات الحاسمة، ولم لا إحراز الهدف الثالث الذي يؤهل المنتخب التشادي في هذه المباراة. إذن مرة أخرى أعزائي المشاهدين، رمي التماس، محمد أزرق يستلم تمريرة للاعب رقم 10، اللاعب رقم 10 ماريوس يرفع كرة عالية مقطوعة رأسية من قبل الدفاع الملاوي، استلام مرة أخرى ويحاول يمرر اللاعب رقم 12، اللاعب رقم 12 استلام لحارس مرمى منتخب ملاوي. Alors les Tchadiens qui sont là, qui s'installent carrément dans le camp de Malawite, et les Malawites qui souffrent un tout petit peu avec la récupération de Morgan. Ngar est parti seul, qu'est-ce qu'il va faire? Ngar qui dribble, un troisième but! Ezekiel qui aujourd'hui s'est réveillé d'un bon pied. C'est une journée innocente, c'est une journée qui va mal pour les Malawites. Les Malawites qui ont déjà encaissé 3 buts et les Sao qui poussent le public qui soutient. Et là, c'est la fête ici, Mamataï. الهدف الثالث أعزائي المشاهدين وهو هدف الأمل الذي يتأهل فيه كل التشاديون وكل المنتخب التشادي وكل التشاديين في الداخل والخارج ينتظرون هذا الهدف، هذا الهدف الذي يؤهل هذا المنتخب في هذه المباراة التي تؤهل هذا المنتخب. الهدف الثالث للاعب نينجا كازيمير الذي أحرز هدفين نظيفين في هذه المباراة، وبهدف إزاكيل الهدف الثالث لهذه المباراة التي يتأهل فيها منتخبنا الوطني الساو ليلاقي في مباراته القادمة أمام منتخب ساو تومي أو منتخب البنين. إذن المنتخب التشادي عندما يتأهل في هذه المباراة سيلاقي منتخب ساو تومي أو منتخب بنين في المباراة المؤهلة لتصفيات كأس أمم إفريقيا التي تقام بالمغرب عام 2015. إذن فحظ سعيد لكل التشاديين، ونقول إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام المنتخب العمالقة، منتخب الساو، المنتخب الشجعان، منتخب الأبطال، فهذا يومكم وهذه المباراة هي مباراتكم وهذا الجمهور هو جمهوركم. فإلى الأمام إلى الأمام مرة أخرى، ولم لا الهدف الرابع أو الخامس. لطالما أن هناك أبطال الساو يلعبون بكل أريحية، يلعبون بكل تقنية، يلعبون بكل الفوز، يلعبون ليفرحون هذا الجمهور الذي جاء من أجلهم. فإلى الأمام مرة أخرى وحظا سعيدا لكل التشاديين. La tailleur, il reste encore beaucoup de temps, il faut pas encore s'arracher les cheveux là. C'est vrai, le Tchad mène 3-0, mais il reste assez de temps dans ce match. Il faut que les Tchadiens maintenant aient la maîtrise du terrain,
qui viennent sur toutes les balles comme l'a fait tout à l'heure Anselmo. Trois buts proprement marqués et ça reste encore beaucoup de temps. Voici les Malawites, cette fois-ci avec John Banda. John Banda qui va jouer cette fois-ci avec Philippe. Philippe qui va chercher l'un des buteurs de la maison des Malawites, stoppé net par Azarak Tifin. Mamata est une équipe qui joue en défense en ligne et c'est très difficile pour les Malawites de briser ces murs défensifs des Tchadiens. Attention avec cette balle, le centre, la balle et le renvoi du mur défensif Malawite. Innocent, il faut le dire, les Malawites se rappellent encore, c'était le 31 mai 2008. Ils avaient battu le Botswana par 8 buts à 1. Aujourd'hui, le sort est en train de tourner dans le sens contraire. Justement, les Tchadiens ont tiré les belles leçons de Malawite. Ils repartent avec Zagal. Zagal qui va chercher de l'autre côté Ngar Ezekiel, qui a fait le doublé, qui attend, qui prend tout son temps. Ngar est en forme. Ce soir, ça va très très mal chauffer dans le camp des Malawites. On va voir Nedim. Nedim qui joue 1-2 avec Marius. Marius qui temporise un peu la situation, qui va relancer la balle. Il va chercher peut-être Azarak. Azarak, sinon Ngar. Ngar Ezekiel qui fait encore un peu de fantaisie sur sa balle, mais qui va centrer cette fois-ci. Zagal, Zagal, qu'est-ce qu'il va faire? Coup franc, non? L'arbitre qui ne donne pas. Peut-être la main cette fois-ci. Ninga est parti pour chercher cette balle. Ça va repartir avec Constant. Constant qui joue cette fois-ci avec Morgane. La balle passe en touche, Théophile. Les Malawites qui sont harcelés par les Sao qui ont voulu se réconcilier avec le public sportif tchadien qui a souvent vécu que des défaites et aujourd'hui le vent tourne dans le sens contraire et voilà Morgan qui jongle, il s'en sort. Morgan, c'est plutôt un corner. Morgan, je disais que ce garçon là qui joue à Luxembourg, ce garçon a du talent, balle au pied, il est très technique. Ça fait la troisième sélection dans l'équipe nationale. Morgan qui évolue pour la troisième fois. Et là, Mamataïr, un autre corner, c'est Mbaya Marius. ليست ركنية ولكنها ضربة حرة مباشرة واتستل الله. إذن اللاعب مورغان يخطئ في هذه التصويبة كانت رأسية ولكن الحكم يستلم هذه الرأسية بكل براعة. إذن كاد الهدف الرابع من اللاعب مورغان أن يورز الهدف الرابع ولكن كرته كانت ضعيفة وتصدى لها سجيم حارس منتخب ملاوي بكل أريحية. إذن ما زال أعزائي المشاهدين منتخب الساو يمني النفس بأن يكون له الهدف الرابع أو يكون له الفوز ولكن الكرة كانت سريعة وكانت خارج أرضية الملعب. ضربة مرمى لصالح منتخب ملاوي. الحارس سجيم ينفذ هذه الضربة. كرة عالية مباشرة باتجاه الخط الوسط ولكنها مقطوعة من قبل الدفاع التشادي. كرة عالية رأسية استلام جميل ولكنها مقطوعة من قبل دفاع ملاوي. إذن مرة أخرى هجمة مرتدة لصالح المنتخب الملاوي. اللاعب يرجع الكرة إلى الوراء والفريق التشادي ما زال في هذه الكرات العالية والمقطوعة ولكن بالرغم من ثلاثة أهداف نقول حذاري للمنتخب التشادي من هذه المباراة ومن هذه الكرات التي تأتي سريعة وغير متقنة. Les Malawites qui commencent déjà à voir les jambes un peu lourdes tout à l'heure, ils ont commis une faute dans la surface de réparation de Dila. Ça va permettre aux Tchadiens de repartir sur notre Théophile. L'espoir renaît un tout petit peu, mais il faut que les Tchadiens marquent un quatrième but. Un quatrième but pour avoir un peu ce qu'on appelle de l'assurance, parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Il reste beaucoup de temps et les Tchadiens parfois laissent les Malawites évoluer tranquillement dans la moitié de leur terrain et c'est un peu difficile parce que là sur un contre tout peut changer. Azarak qui tente d'arracher le cuir au pied des Malawites. Attention à cette balle, les Malawites qui évoluent dans leur camp. Cette fois-ci ils vont franchir la ligne médiane avec cette récupération de John Banda et Maitongue qui s'interpose pour mettre la balle en touche. Au fil, les Tchadiens ont compris, il faut faire la marquage à la culotte. Il reste peut-être 7 minutes, Madi. Justement, 5 ou 6 minutes. Oui, 7 minutes dans cette première partie de la rencontre. 7 minutes pour conserver le score ou alors
l'aggraver. 7 minutes également pour cette formation malawite de pouvoir se démarquer cet après-midi. Et les Sao qui n'ont pas baissé les bras, ils continuent toujours de multiplier les actions offensives. Question de marquer autant de buts pour se mettre véritablement à l'abri. Parce que vous l'avez dit, Innocent, tout le public est derrière ces Sao. Mais une erreur monumentale serait celle de laisser donc cette formation malawite là inscrire un but malheureusement pour cet attaquant qui est en position de hors-jeu et qui est signalé par l'autre assistant. J'imagine, il faut dire que les Tchadiens évoluent avec une défense en lice, c'est très bon. Mais il se peut que les Malawites attendent juste le moment où l'arbitre va somnoler pour pouvoir percer et peut-être faire mouche. Justement, c'est pourquoi il ne faut pas compter sur l'arbitre. Il faut jouer, il faut chercher à marquer. C'est encore un œuf dans une main. Donc il faut faire très attention, il faut le conserver. C'est peut-être avec cette balle qui va en cloche, Ninga qui se bat la tête de... Ezekiel, la balle qui passe en cloche, il n'y a personne qui est parti gêner le gardien Sidim Taïr. إذن حذاري للمنتخب الملاوي من الهجمات المرتدة ولكن الثلاثة أهداف يمكن في أي لحظة قد يكون المنتخب الملاوي يحرز هدف التعادل. الزميل مكاوي هل ترى أن هذه المباراة المنتخب الملاوي قادر لمرة أخرى لكي يعود في هذه المباراة ويحرز هدف التعادل؟ ليس في هذه الأجواء الزميل محمد طاهر، إنما هذه الأجواء أجواء حماسية وتشجيعية للمنتخب أيضا، حيث ترى في هذه المدرجات أن المدرجات لم تعد تستوعب الناس من كثرتها وتشجيعها للمنتخب ووقوف كل التشاديين مع المنتخب جنبا بجنب. وهذه رياضة هي رياضة المعجزات كما تعرف الزميل محمد طاهر، فلا يمكن استنكار أي شيء في رياضة كرة القدم. شكرا لهذا الإيضاح أعزائي المشاهدين. مرة أخرى استلام جميل للمنتخب التشادي في وسط الملعب وتمريرات جميلة وحاسمة لإضاءة الوقت، ولكن بالرغم من أنه الشوط الأول ما زال لم ينتهي بعد، ولكن المنتخب التشادي حتى هذه اللحظة يقدم ثلاثة أهداف نظيفة والمباراة ما زالت على أشدها. على المنتخب التشادي أيضا استلام نينجا كازيمير، مرة أخرى استلام وتدوير إلى الوراء، تدوير إلى الوراء واستلام مع الزملاء، استلام واحد مقابل ثلاثة وكرة عالية مرفوعة من قبل اللاعب رقم 12، هجمة مرتدة مرة أخرى، هجمة مرتدة ويمر، والله إذا تضيع الضربة الرابعة والهدف الرابع يضيع من بين أقدام منتخب الساو في هذه اللحظة. لو أن هذه الكرة كانت من الخلف لكانت هدفا رابعا، ولكن لسوء الحظ لم يكن المنتخب التشادي موفقا في هذه المباراة أعزائي المشاهدين ليحرز هدفه الرابع. Voilà un corner que va donc jouer Zagal de la gauche vers la droite de Sidim, le portier malawite. La balle qui s'élève et la balle de Mangar qui passe légèrement au-dessus de la barre transversale. Une fois de plus, magie, c'est une occasion que les Tchadiens doivent mettre à profit pour pouvoir, on est déjà à la mi-temps sur cette balle. Quelle leçon peut-on tirer donc de cette première mi-temps? Oui, une leçon à tirer, Kadma Théophile, c'est que les consignes données par le staff technique ont été donc bien maîtrisées par le 11 national qui n'a pas autre souci que de chercher le chemin de filet, ce qui s'était concrétisé par ces trois buts marqués à la 12e, 15e et 32e minute, le doublé de Ngar Ezekiel et le but marqué par Ninga Casimir ont permis donc à cette formation tchadienne de prendre l'avantage. Et si jamais le score reste là jusqu'à la fin de la rencontre, c'est le Tchad qui est qualifié pour le prochain tour. Justement, on attend. Alors, 3-0, les Sao repartent gardement au vestiaire avec un avantage de 3 buts. Nous vous renvoyons l'antenne avant de reprendre à la deuxième partie. Alors, retour au stade Idriss Mahamadouya pour
pour suivre la deuxième partie. Et ce sont les Malawites qui sont revenus avant les Sao. C'est qu'il y a quelque chose, les Malawites qui relancent cette fois-ci. Alors le banc Théophile, le banc tchadien est encore là. Nous avons beaucoup de joueurs qui sont encore là, qui veulent participer à la fête. Qui veulent participer à la fête. On compte sur Dimina Léger, Karl Marx, Dani, Gazina, Frédéric. Tous ces garçons veulent participer à cette fête, Théophile. Oui, il faut dire que les Malawites sont revenus avec d'autres intentions et le mur défensif tchadien devrait vraiment se méfier de ce retour avec cette balle de Gabadino, le numéro 11 de cette équipe, qui va se charger de cette balle arrêtée. Attention à cette balle qui s'élève. Le renvoi du mur défensif tchadien avec une balle. Le tchadien garde le contrôle. Marius Mbayamba, le société de Grenoble. Une longue balle. Il n'y a personne dans l'axe de l'attaque tchadienne. Les Malawites qui vont maintenant, ils essayent de procéder par des longues balles. Attention, certainement ils sont venus avec d'autres intentions, magie, parce que cette fois-ci, ils procèdent par de longues balles plutôt que par un jeu posé comme la première partie. Oui, l'autre intention pour la formation malawite, c'est certainement de marquer un but ou au moins s'inscrire un but ce soir pour compliquer la situation donc au Sao du Tchad qui pour l'instant sont qualifiés. Et donc pour permettre au Malawi de pouvoir espérer quelque chose, il va falloir marquer un but. Et je crois que c'est l'intention qui anime le 11 national malawite qui est en train de percer au niveau donc de l'attaque là-bas malheureusement. Et là, il est plus rapide et c'est le... Attention. Et c'est le gardien qui a failli, donc c'est le gardien plutôt qui a pu défendre, hein, sinon que l'attaquant était en train de déborder, ça allait faire mouche donc à la formation tchadienne Kadmoua Théophile. Oui, il faut apprécier cette sortie de Mbayram Dila, le portier de Foula Édifice qui se trouve dans ses beaux jours aujourd'hui. Les Malawites qui cherchent coûte que coûte à marquer l'unique but qui sera synonyme donc d'une qualification. Attention à ces Malawites, déjà deux tirs Malawites dans le camp tchadien et le public qui est en train de manifester son mécontentement par rapport à ce jeu que pratiquent les Tchadiens en cette deuxième mi-temps. C'est un retour un peu molle du côté des Sao qui vont peut-être revenir encore en forme. Sinon, les Malawites ont pris un peu de jus. Lorsqu'ils sont repartis dans les vestiaires, ils sont revenus en force. Et c'est comme ça qu'ils ont eu deux occasions. Ils ont frappé de très loin. Ça va repartir. La tête d'Ngar Ezekiel. Ngar Ezekiel qui joue cette fois-ci en 1-2 avec Marius. Ngar Ezekiel qui va récupérer cette balle. Il va chercher Labo. Il joue avec Marius. Marius Nedim. La balle est toujours pour Nedim qui contrôle très très bien. Qui lance Ninga. Ninga qui va seul, c'est une position d'orgueux que tient l'assistant. Il s'agit là de El Hadji Malik Samba. Ça va permettre à Sidim, le portier Malawi, de dégager. Sidim, une longue balle dans le cas tchadien. Et attention, il faut savoir parler avec son gardien constant et Dila, Constant et Dila ne se comprennent pas un tout petit peu. Ça va repartir à Selmo, c'est à Selmo plutôt. C'est la faute du gardien peut-être. Ça va repartir avec Kedim. Kedim qui joue malheureusement. Les Malawites reviennent. Il y a un petit problème là au milieu des Tchadiens. La tête de Selmo. Les Malawites reviennent encore. Et c'est une touche. Alors là, il y a quelque chose qui se prépare du côté du banc. Il faut dire que les Tchadiens commencent déjà par baisser les bras et en ce début de cette deuxième mi-temps, Mamata, c'est très dangereux pour cette formation des Sao du Tchad. إذن مرة أخرى أعزائي المشاهدين المنتخب التشادي في شوطه الثاني ولكن نلاحظ أن هناك تراخ شديد في المنتخب التشادي ولكن ذلك بعد الشوط الثاني فينبغي للمنتخب التشادي أن يشد كل قواه
ويفوز في هذه المباراة. فهذا التراخي الآن سيما في خط الوسط، نلاحظ أن هناك تراخي، وهناك أيضا المنتخب الملاوي يحاول مرارا وتكرارا هجمات مرتدة وحذاري من هذه الكرة، ولكن الكرة مرت بسلام. إذن على الدفاع وعلى خط الوسط تدارك هذا التراخي، وعلى مدرب المنتخب التشادي أيضا معرفة هذا الخلل الفني في وسط الدفاع، وإلا فإن المنتخب الملاوي قادر أن يحرز هدف على الأقل. فلذلك حذاري على المنتخب التشادي وحذاري على مدرب الفريق إصلاح الخلل الذي خلفه الدفاع التشادي في اللحظات الأخيرة، ولكن خصوصا في الشوط الثاني. إذن كرة عالية مرتفعة ولكن خارج أرضية الملعب. إذن أعزائي المشاهدين مرة أخرى الشوط الثاني، 5 دقائق تمر من الشوط الثاني، والمباراة ما زالت على أشدها، 3-0 لصالح المنتخب التشادي. نلاحظ كرة مقطوعة من قبل الدفاع، واستلام جميل بخط الوسط، هجمة مرتدة ولكن خطأ، ولكن سيد الحكم لم يشير إلى أي خطأ. إذن مرة أخرى استلام من قبل الملاويين في هذه المباراة، ويحاولون ويمنون النفس بإهراز هدف على الأقل في هذه المباراة، ولكن يجب على المنتخب التشادي ويجب على الجمهور أيضا أن يشمر وأن يساعد المنتخب في هذه اللحظات الصعبة، في هذه اللحظات التي المنتخب بحاجة إليها. المنتخب أمام أرضه وجمهوره، ينبغي للجمهور ألا ينام، ينبغي للجمهور ألا يصمت، ينبغي للجمهور أن يشارك بكل فعالية. فهذه هي المباراة المصيرية للمنتخب التشادي، فهذه المباراة التي يمكن للمنتخب التشادي أن يضع فيها بصمته ويتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، ولما لا؟ فهذه المرة الأولى منذ الاستقلال لم ولن يكون المنتخب التشادي في المباريات التأهيلية لكأس الأمم الإفريقية، فهذه المرة الثانية ينبغي لهذا المنتخب ألا يفوت مثل هذه الفرصة. ينبغي للمنتخب التشادي أن يهرس هذه الألقاب ويهرس هذه الأهداف. إذن كرة مقطوعة مرة أخرى، وخط الوسط لم يكن، خط الوسط لم يكن على استعداد تام، والأخطاء تتكرر من الدفاع، ولكن يجب على اللاعبين، يجب على اللاعبين مهاجما. إذن هذا هو الجمهور أعزائي المشاهدين، وهذا هو انقار، هذا هو انقار إذا كان خطأ شديد وكرة حمراء، مفروض بطاقة. لا سيد الحكم، هذا اللاعب يستحق بطاقة حمراء، هذا اللاعب يستحق بطاقة حمراء، لأن إذا كان منفردا بالحارس وعرقل في أمام خط الهجوم، فينبغي للحارس أو ينبغي للحكم فمثل هذه الكرات ألا تكون البطاقة الصفراء. إذن فرة أخرى للمنتخب التشادي، وتنفس هذه الضربة لعلها تكون هدفا رابعا في هذه المباراة. Tchadiens qui ont piégé cette fois-ci la défense malawite avec Ninga qui était bien parti fauché, et ça va permettre un coup franc pour Marius. Marius et Mamad Labo sont devant cette balle. Peut-être c'est... Il faut dire innocent, ce sont les deux spécialistes du coup franc, des balles arrêtées. Et le mur qui est placé, la frappe écrasée sur le mur des malawites. Ça va repartir, cette fois-ci c'est les Malawites qui sont premiers sur cette balle. Et le garçon de Morgan qui se bat là-bas, on va voir cette fois-ci Maurès. Maurès, la récupération de Morgan. Morgan qui va laisser cette balle à Selmo. À Selmo qui a bien lancé, non sinon la balle de Selmo est partie vite. Ninga n'a pas eu le temps de rattraper cette occasion. Ça va permettre aux Malawites de repartir 3-0, mais il reste encore beaucoup de temps à jouer. La deuxième partie vient juste de commencer avec Zagal. Zagal qui dribble son vis-à-vis, qui joue derrière avec Asselmo. Asselmo qui combine avec Zagal. Mamadabo, oui, Mamadabo, autant pour moi, est-ce qu'il va partir, qu'est-ce qu'il va faire? Il dribble son vis-à-vis, il va aller. L'arbitre qui ne donne pas, qui ne siffle pas pour les Tchadiens. L'arbitre estime que l'attaquant tchadien s'est laissé tomber, pas pour longtemps. Les Tchadiens reviennent avec Azarak, Ezekiel qui sollicite Mbaya Marius. On joue avec Ngar qui fixe. Et il n'y a personne. Morgan, les Tchadiens qui s'amusent.
et Anselmo qui a bien choisi. L'intention d'Anselmo était bonne. Il a tenté de prendre tout le monde au dépourvu. Et sa balle est passée à côté de la barre verticale gauche de Sidim. Le Tchadien qui se réveille et le Malawite qui procède par des gestes antisportifs. Justement, c'est comme ça ils arrivent à tromper la vigilance de l'arbitre. Mais cette fois-ci, Abakar Séné, sinon Molin, autant pour moi, est vigilant ce soir. On va suivre ce coup franc très très loin. Alors là, il y a des remarques par rapport au maillot de Sao. On constate que les numéros commencent déjà à s'envoler. Je ne sais pas si ce n'est pas bien collé. Alors ça, c'est juste des remarques en ce moment. Vous voyez que le numéro de peut-être Dengar et bien d'autres n'arrivent plus à se lire convenablement. Oui, ce sont des numéros qui ont disparu même, il faut dire, des maillots. Et là, il y a une faute du côté des joueurs tchadiens qui va donc profiter au Malawite. Et c'est donc Dobing qui va se charger. Robin, autant pour moi. Robin, le libéro de cette équipe. Les Malawites qui tentent et qui cherchent par tous les moyens magie-magie à pouvoir réduire la marque, synonyme d'une qualification. Oui, Théophile, il va falloir que le staff technique tchadien puisse revoir au niveau donc du milieu défensif, parce que là, ça fléchit et puisque le milieu ne répond pas, le milieu ne réagit pas, le milieu est presque absent, ça fait que ça donne l'avantage à cette ligne offensive malawite de pouvoir percer et de peser sur la défense tchadienne. Et je crois que il y a, comme je le disais tantôt, voyez-vous, Marius n'est pas du tout dans le match aujourd'hui. Ce n'est pas Marius qu'on connaît en milieu de terrain. C'est un autre Marius qu'on a aujourd'hui. Et ça fait que ça pèse véritablement sur la défense tchadienne avec cette balle qui, heureusement, grâce donc à la vigilance de Dylan, on a évité donc d'encaisser un but tout à l'heure. Et je crois qu'il y a Gassina Ferdinand qui est en train de se préparer. Certainement, c'est pour prendre la place de Mbayam Marius. Je le disais, mon matin, ils sont très dangereux sur les balles en retrait. Et ils viennent là de le prouver, ni tété, l'intervention de Dila, le portier de Sao du Tchad et de Poula Edifice. Dila qui avait suivi tout ce qui se passe dans sa surface de réparation. Sinon, c'était vraiment dangereux pour le Tchad. Et Dila a pu envoyer cette balle en touche. Maintenant, ça se rejoue avec les Malawi qui reviennent. Tout à l'heure, on a signalé que le milieu tchadien commence à fléchir. On va voir certains garçons comme Kassina, Ferdinand qui peuvent. Attention, Assel, le Malawi de l'ouverture. Oui, la réduction de score. هذا ما كنا نخشاه وهذا ما كنا نقول حذاري ثم الحذاري هذا ما كنا نخشاه من هدف للمنتخب الملاوي وبالفعل كان له ما أراد هناك تراخي في الدفاع وخط الوسط فلذلك هذا التراخي وفي الدفاع وخط الوسط جاء بنتيجة هدف للمنتخب الملاوي في الشوط الثاني فينبغي لمدرب المنتخب الساو تدارك هذا الموقف واستخراج اللاعبين الذين لم يكونوا المستوى سيما في الشوط الثاني فينبغي استبدال بعض اللاعبين إذا اللاعب رقم 12 هو الذي أهرز الهدف الوحيد للمنتخب الملاوي في هذه المباراة وبهذا الهدف لم يكن للمنتخب التشادي الفوز أو التأهل ما لم تكن هناك زيادة أهداف وما لم يكن هناك شد المئزر إذا هذا ما قلناه على اللاعبين وعلى الجمهور أيضا إذا على الهجوم أيضا تكثيف هذا الهجوم وإضافة أهداف ثانية حتى تؤهله في هذه المباراة مرة أخرى أعزائي المشاهدين هذا التراخي كلف المنتخب التشادي هذا التراخي كلف المنتخب التشادي ما لم يتوقعه فحتى هذه اللحظة ثلاثة أهداف لهدف بعد أن كنا نتقدم بثلاثة أهداف نظيفة وهذه ثلاثة أهداف تؤهل المنتخب التشادي بكل أريحية في المباراة المقبلة مرة أخرى هجوم للمنتخب التشادي ولكن كرة في استلام حارس مرمى منتخب ملاوي سجيم منتخب ملاوي سجيم يستلم هذه الكرة بكل أريحية ويحاول في داخل أرضية الملعب كرة سريعة عالية مقطوعة رأسيا استلام بالرأس كرة في وسط الملعب استلام من قبل لاعبين الساو ومورغان أيضا يمر الكرة لزميله لاعب الرقم 11 إزاكيل وكرة في
خارج أرضية الملعب تمريرة كرة عالية باتجاه المرمى ولكن لا يوجد أحد من قبل الدفاع. إذن الدفاع الملاوي يبعد هذه الكرة والحكم يشير إلى خطأ لصالح منتخب ملاوي. Alors les Malawites qui ont profité de cette erreur défensive pour réduire le score à la 58e minute. Et là, il y aura un changement du côté. C'est Labo qui laisse sa place à Gatina Ferdinand. Mamad Labo qui laisse à Gatina Ferdinand. Gatina Ferdinand, sociétaire de Manga Sport. Du 109 pour les Tchadiens, on va suivre ce coup franc. Ce coup franc qui sera exécuté par très rapidement. Attention, Morgan est arrivé avec un retard. Ça va permettre aux Malawites de repartir, Théophile. Et le public qui ne réagit plus maintenant avec cette réduction de score. Il faut dire que le public tchadien attend toujours des actions pour pouvoir pousser son équipe. Et là, les Tchadiens ont relâché. Et en fin de compte, les Malawites ont compris qu'il y a un relâchement. Ils ont choisi le moment opportun pour pouvoir profiter de cette balle. Attention, la balle de Robin avec Marius Ninga. Ninga qui sollicite. Là, il y a une faute. Une faute et les Sao doivent donc changer leur stratégie parce que là ils ont des difficultés à pouvoir poser la balle et s'en sortir. Petit à petit, les Tchadiens tentent de revenir dans le jeu. Attention avec cette balle, Ngar qui laisse la balle à Robin, une longue balle. Attention, avec cette balle, ils sont seuls, les Malawites. Ils profitent maintenant d'un centre. Et là, il y a eu une action. Tout se déroule dans le camp tchadien, c'est dangereux et innocent. Les Malawites qui sont revenus en force et qui inquiètent un peu la défense tchadienne. Ça va repartir avec un seul mot. Il faut nécessairement un but pour les Tchadiens. Un quatrième but qui va les sauver peut-être. Ngar qui va partir. Il n'est pas en position d'enjeu. Ngar Ezekiel. Il obtient un corner. Corner pour les Sao qui tentent de se lever, de se réveiller. Et vont-ils donc devoir réaliser ce que le public attend? C'est la question qu'on se pose ici, Mama Tahir. Si les Tchadiens peuvent profiter sur ce corner. إذن رمية التماس أعزائي المشاهدين لصالح المنتخب التشادي. الله كرة مقطوعة ولكن يخطئ فيها استلام جميل من اللاعب تسديدة ولكن الكرة مرت جانبية على حارس مرمى سجيم حارس مرمى منتخب ملاوي. إذن سجيم يستلم الكرة. ولكن نلاحظ البطء في فريق ملاوي لاكتساب الوقت ولتضييع الوقت بعد أن أحرز الهدف الوحيد في هذه المباراة ليكون فائزا بعد أن فاز في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين. إذن المباراة لم تكن بالمستوى المطلوب وهذا التراخي وهذا الإعياء بعد المجهود الذي قدمه اللاعبون في هذه المباراة. الآن المنتخب الملاوي يمني النفس بأن تكون هذه المباراة في مثل هذه اللحظات ولكن نقول مرة أخرى إلى الأمام أيها الساويون إلى الأمام منتخب الساو في هذه المباراة. الكل يتمنى النفس مرة أخرى. رمي التماس لصالح منتخب الساو ومقطوع رأسية من قبل الملاويون وكرة عالية باتجاه المرمى كرة خارج أرضية الملعب. رمي التماس لصالح منتخب الساو. إذن الوقت يمضي أعزائي المشاهدين يمضي ثم يمضي وينبغي لأبناء الساو إحراز الهدف على الأقل إيجاد هدف. مرة أخرى استلام ونينجا كازيمير
يمرر لمورغان اللاعب رقم 3 الظهير الأيمن. مورغان يمر ولكن كرته خارج أرضية الملعب. إذن هذا اللاعب مورغان الجناح الأيمن الظهير الأيمن لمنتخب الساو لاعب نشط ويمرر كرات جميلة وسمحة، ولكن الحظ لم يساند منتخب الساو. إذن هناك لاعب يسقط داخل أرضية الملعب، لاعب المنتخب الساو. سلامات إن شاء الله، سلامات لهذا اللاعب. وحكم المباراة يطلب فريق الإسعاف لإسعاف هذا اللاعب الذي لم نتمكن من معرفة رقمه في هذه المباراة. يعني Ninga Casimir, le buteur qui se tord de douleur et qui reçoit les soins médicaux. Et si Ninga sort, ça serait Karl Marx Dani qui va peut-être le remplacer. Karl Marx Dani, sociétaire de Morena, lui aussi. Il veut participer à la fête. Et la Théophile Ninga est sorti sous civière. C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, mais il sera remplacé par Karl Marx. On se rappelle de son but égalisateur ici même. Un but qui a permis à la Tunisie d'aller à la Coupe du Monde et à la Coupe d'Afrique des Nations de 2013. Justement, par rapport à ça, la Tunisie a vraiment féliciter, donner l'occasion au Saro d'aller s'entraîner à Tunis. Ça va repartir cette fois-ci avec les Tchadiens. Et la balle de Kazina Ferdinand est passée en derrière de la ligne. Madi, le public n'arrive plus à reprendre la même animation. Qu'est-ce qui se passe, Madi? Ou bien c'est la réduction de ce score qui a tremper le public djaménois à ce silence. Oui, Maji, un public qui a disparu. Lui, c'était Gas David qui tente avec Aladji Tawa à réveiller ce public. Oui, la culture donc de l'homme qui n'est pas tchadienne, il faut reconnaître comme ça. Il va falloir que les tchadiens puissent se remettre. Mais dites-vous bien, Théophile, que le malheur du Tchad, sinon le gros péché du Tchad, vient toujours du milieu du terrain. Le milieu du terrain qui est quasi absent ce soir et qui donne de la peine à la défense de pouvoir se défendre, parce que tout passe par le milieu. Même le but était venu à partir du milieu du terrain. Il va falloir que le staff technique puisse repenser ou alors retravailler un peu ce milieu de terrain pour permettre donc au Tchad d'espérer. Voilà, nous allons assister à un autre changement. Je crois que c'est Djimenam Léger qui est en train de s'apprêter là. Justement, on va maintenant suivre ce coup franc et Sengar Ezekiel qui s'en charge, qu'il combine la frappe dans les bras du gardien Sidim. Sinon, c'était bien fait, cette combinaison entre Azarat Engar qui avait laissé cette balle. On va procéder à un remplacement poste par poste. Ça serait cette fois-ci Dimina Léger qui va remplacer Marcus Dutton. Mais Karl Marx est déjà là. Attention, les Malawites qui s'amusent un tout petit peu. Repris par Nedim. Il faut un quatrième but pour les Tchadiens. Il faut pousser. Il reste encore beaucoup de temps. Moi, je vois aussi un but, hein, Théophile, un but du côté des Tchadiens. Pourquoi pas un deuxième but pour carrément battre ce Malawi et se mettre à l'abri. Voilà un but qui tarde à venir et avec le changement qui vient d'être opéré au niveau de la ligne offensive avec la rentrée de Karl Marx et au niveau de la défense, Gassina Ferdinand va peut-être donner un peu de souffle à cette formation de Sao du Tchad. Et Gassina Ferdinand qui obtient un coup franc et qui laisse cette fois-ci à Constant. Constant qui prend encore quelques minutes. L'arbitre lui demande d'attendre. Constant qui prend son temps. 3-1. Ça ne fait pas encore une bonne affaire des Tchadiens. Karl Marx qui ne réagit pas encore. Kevin à la récupération. Et qui a servi Ngar Ezekiel qui contrôle, qui dépose la balle.
qui se laisse subtiliser par Chimango. Sinon, plutôt, c'est Bachir. Ferdinand. Engar qui a des difficultés encore cette fois-ci à maîtriser le coup franc. Théophile. Là, les Malawites qui profitent par des actes d'anti-jouer, les Tchadiens qui ne profitent pas. Et c'est très difficile. Voilà, 10 maintenant léger qui entre en place au lieu de Mbaya Marus. Peut-être que ça va changer quelque chose au niveau du milieu de terrain, Mama Tahir. إذن كرة عالية والله إذن هدف ضايع من منتخب الساو هدف ضايع من منتخب الساو استلام لمنتخب الملاوي وكرة مقطوعة هناك حارس المرمى حارس ملاوي سجيم حارس مرمى منتخب ملاوي حارس مرمى منتخب الساو سجيم منتخب ملاوي سجيم يتعرض لإصابة وحكم المباراة يطلب من فريق الإسعاف إسعاف اللاعب سجيم حارس منتخب ملاوي ولكن حتى هذه اللحظة يتأخر فريق الدفاع فريق الإسعاف وربما هذه قد تكون خطة لمضيعة الوقت ليس إلا إنها خطة لمضيعة الوقت ليس إلا من قبل لاعب حارس منتخب ملاوي سجيم الذي لم نلاحظ أي إصابة يتعرض لها في هذه المباراة إنما هو يريد مضيعة الوقت فحسب إذن الوقت يمر ولكن الهدوء البطيء في هذه المباراة أعزائي المشاهدين 3 أهداف لهدف وهذه النتيجة لن تخدم منتخب الساو ولن تكون لصالحه ما لم يهرس هدف آخر إذن هنا الجمهور مرة أخرى يؤازر وهناك أيضا هنا الجمهور بدأ مرة أخرى لمؤازرة المنتخب حتى اللحظات الأخيرة وحتى الرمق الأخير من هذه المباراة لأنها تلعب أمام أرضه وجمهوره فلما لا الفوز فلما لا إذن إنها خدعة من قبل حارس المرمى لمضيعة الوقت ليس إلا وهو الآن يقوم بسلامته. Oui, le public qui commence à réagir, qui pousse. Il faut aller les Sao. Il faut aller, il faut chercher le 4e but. Le gardien malawite Sidim reprend. Et c'est en fair play les Malawi renvoient cette balle. Au gardien de but tchadien, Dila. Ça va repartir avec Constant. Constant qui joue avec Asselmo. Asselmo qui renvoie très très mal cette balle. Nedim. Gare à la récupération. Gare Ezekiel qui joue avec Ferdinand. Gassina Ferdinand. Morgan. Ça va repartir avec Jimina Léger qui touche sa première balle. La touche. Nous jouons 60 quelques minutes déjà, Théophile. Et les Sao qui vont tenter donc, qui tentent maintenant de revenir dans le jeu avec ce système pratiqué tout à l'heure en première mi-temps. Maïtouangi avec Azara pour Morgan qui ne parvient pas à récupérer le cuivre et c'est donc une touche. La touche est malawite. Les Malawites maintenant, les Malawites qui jouent sur le temps, il faut dire innocent. On va lentement chercher la balle. Attention à cette balle de Karl Marx. Par Ezekiel qui récupère le cuir. Ngar qui obtient donc le corner. Une très belle couverture de Ngar. Il cherchait ce corner parce qu'il était seul. Il cherchait ce corner et c'est pour demander à ses coéquipiers et les Malawites qui vont également envoyer. Liki Kano du 109 également pour les Malawites et on va suivre ce coup franc qui va remplacer Gabitinho. L'arbitre qui attend, qui demande
Cette fois-ci, il va ordonner à Morgan. Il va ordonner à Morgan. Le corner de Morgan qui... La balle est sortie justement. Voilà, un corner sortant de Morgan qui passe derrière les buts de Sidim qui se tord de douleur. Le gardien malawite va-t-il se charger personnellement du dégagement de ce 5m50? Une balle. Kevin de la tête qui renvoie pour le mur défensif. Tchadien. Attention, avec un petit menant léger, avec un gars qui entre dans la surface. Très belle action d'Engar qui parvient à obtenir le corner. Ils ont compris, il était parti pour fixer le gardien. Mais la défense malawite a compris et a poussé cette balle qui va permettre maintenant à Azarak. Azarak, sociétaire de locomotive. Le corner de Azarak. Le gardien malawite qui rate sa sortie. Ah non! Ça doit être encore un deuxième corner, malheureusement Théophile. Maman Tahir, il n'y a personne au deuxième poteau et la balle a filé tranquillement au 5m50. إذن أعزائي المشاهدين مرة أخرى كانت رمية ركنية للمنتخب ساو لكن لم تستغل هذه الركنية من قبل الهجوم التشادي ولكن ما زال هناك أمل وما زالت هناك دقائق هذه الدقائق يوجد بها الأمل واللاعبون قادرون لإحراز الهدف الرابع في هذه المباراة وتأهل المنتخب التشادي منتخب الساو. إذن مرة أخرى رمي التماس لصالح منتخب مالاوي تنفذ الرمية واستلام من قبل الدفاع مراوغة ولكن مساعد الحكم يشير إلى خطأ لصالح منتخب الساو نجيم ينفذ هذه الرمية واستلام من قبل اللاعب البديل فرديناند يمرر الكرة استلام من قبل نينكا كازيمير ولكن حكم المباراة يقول ليس هناك أي خطأ إذن اللاعب يسقط لحاله وحكم المباراة يشير إلى خطأ وهذه مضيعة للوقت هناك لاعبان من منتخب الملاوي يحاولون إضاعة الوقت لاعبين من قبل ملاوي إذن الهدوء وليس مجال للعصبية ليس هناك مجال للتعصب اللعب النظيف في هذه المباراة ينبغي لكل اللاعبين يجب على كل اللاعبين الظهور بروح رياضية في هذه المباراة الأخوية مباراة تشاد وملاوي المؤهل لكأس أمم إفريقيا 2015 تنفس رأسية ولكنها مقطوعة من قبل الدفاع كرة خارج أرضية الملعب رمية التماس لصالح المنتخب الملاوي الذي يضيع الوقت بعد إحرازه هدفه الوحيد في هذه المباراة مقابل 3 أهداف لمنتخب الساو إذن يشير الحكم مرة أخرى إلى خطأ لصالح منتخب الساو ويمضي الوقت ولكن نود من كل اللاعبين إبراز الروح التعاون والشجاعة والندية في هذه المباراة لأنها فرصة لن تمر إلا بعد سنتين قادمتين إذن الفرص لن تأتي فرادى ومرة أخرى استلام كرة مرفوعة عالية باتجاه المرمى استلام من كارل ماكس داني كي لاس بو مورغان مورغان كيس كيل فا فير مورغان سيل مورغان اي سيل سوك سيت بال مورغان كي سي با اي سي لي مالاويت كي فون ريبارتي
Les Malawites vont repartir. Les Malawites vont repartir. Les Malawites vont repartir cette fois-ci, mais ils prennent tout. Les Malawites qui jouent sur le temps. En réduisant ce score de 3 buts à 1, ça va repartir cette fois-ci avec Philippe. 70 quelques minutes déjà jouées. La tête de Kevin. La récupération de Dimina Léger. Dimina Léger qui joue avec cette fois-ci, attention avec les Malawites qui sortent de nulle part et qui joue maintenant dur, qui cherche encore à créer des surprises dans la surface de réparation des Tchadiens. La tête des Malawites dans les jambes des Malawites encore. Attention, il ne faut pas laisser. Ah, heureusement que Dila a envoyé cette balle dehors. Les Tchadiens qui voient donc, laissent venir donc les Malawites. Et les Malawites qui profitent, n'eût été la vigilance de Dila, ça allait être un but. Et là, ça va être le cas, le catastrophe ici. Donc, je le disais, parce qu'à 3 buts à 1, les Malawites sont qualifiés. Il suffit d'un but du côté tchadien pour la qualification. Mais déjà, à 3 à 2, la chance des Sao s'envolera. Non, j'ai dit. Voilà les Tchadiens qui tentent de se dégager et les Malawites qui gardent le contrôle de la balle avec cette récupération. Azarak et les Tchadiens qui obtiennent la faute. Magi, les Tchadiens qui ne s'imposent pas du tout en cette deuxième mi-temps. Oui, les Sao qui ne s'imposent pas, vous le dites si bien, Kadma Tofil, une attaque qui a fléchi complètement, une attaque qui n'existe plus, on ne comprend pas et ça ne s'explique pas non plus puisque le staff est resté tel qu'il est, je ne comprends pas, je n'arrive même pas à expliquer pourquoi donc cette ligne offensive tchadienne a dû relâcher et maintenant c'est le Tchad qui subit la pression malawite. Et les Malawites qui, pour l'instant, sont qualifiés, puisque au nombre de buts marqués, le Malawi est qualifié. Il va falloir absolument que le Tchad puisse marquer un dernier but, le quatrième but, pour s'inscrire, donc pour une fois dans l'histoire du football tchadien, que le Tchad est au second tour. Alors, pour obtenir, arriver à ce résultat, il va falloir que la ligne offensive puisse multiplier des actions offensives, des actions qui peuvent mettre donc en danger ce portier malawite qui, pourtant, n'a pas reçu de grands ballons. Il n'est même pas inquiété parce que, n'eût été les coups francs, il n'est même pas inquiété, elle va là. Non, non, malheureusement, il prend tout son temps. Il s'allonge puisque les secondes sont en sa faveur. Il prend tout son temps pour gagner en termes de secondes et de minutes également qui sont déjà en sa faveur au Kadma Tofil. Le Malawi qui pour l'instant a la qualification, il faut attendre un but du côté tchadien pour changer les données. Et ça tarde à venir. Ngar, une balle en chandelle pour un Dimina Léger. Karl Marx et un renvoi. Les Malawites qui ne tardent pas. Attention à ce renvoi en catastrophe, une faute du côté malawite qui va profiter au milieu de terrain tchadien. Ça va être certainement une longue balle en chandelle dans la surface de réparation. Justement, avec ce réveil des Sao, on espère à quelque chose, peut-être, pourquoi pas au quatrième but. On va suivre le coup franc d'Aselmo. Aselmo qui joue sur la tête d'un adversaire. Il renvoie encore cette balle mollement. Cette fois-ci, c'est Ngar Ezekiel qui va prendre la responsabilité de dribbler son vis-à-vis et chercher. Ngar est parti. Les Malawites qui récupèrent cette balle. Les Tchadiens, cette fois-ci, ça renvoie du côté des Malawites. Les Tchadiens, attention, cette balle qui passe en clochette. Les Malawites sont en position d'hors-jeu. C'est une touche, ça va repartir avec Nedim. Les Tchadiens qui vont repartir avec Mamad Zagal, Morgan qui joue là-bas avec Constant.
Constant va-t-il centrer? Le centre de Constant qui rate la tête de Morgan encore, qui se bat comme un beau diable entre 5 Malawites. Les Tchadiens avec Azarak qui a eu raison. C'est une grande lutte. Les Malawites ont compris qu'il faut aussi défendre les couleurs. Les Tchadiens, une longue balle. Karl Max Dani qui joue cette fois-ci avec Nedim. La main du numéro 14. Il s'agit là de Liki Kano. Ça va permettre aux Tchadiens se couvrant à l'entrée de la surface de réparation. Sengar Ezekiel et Jimina Léger. Jimina Léger et Ngar Ezekiel se disputent. Et tout le monde crie un quatrième but pour les Sao. Ça serait Jimina Léger. Non, Ngar Ezekiel. Qui cherche la tête de Morgan. Et le gardien de but Malawi qui ne cherche pas à dégager. Hein, qui prend tout son temps d'ailleurs. Nous jouons déjà 80 minutes si je ne me trompe pas. Il ne va pas rester beaucoup hein, pour dans cette deuxième partie. Pas beaucoup de temps à jouer et les Sao doivent absolument marquer un quatrième but. Synonyme donc des qualifications. Et les Sao qui relâchent, les Malawi qui en profitent. Une longue balle, Dila, sans aucune difficulté, qui sollicite son coéquipier, Ngar, pour la ligne médiane Malawite. Voilà, il y a eu une faute, Mama Tahir. فعلا زميل توفيل الأخطاء متكررة من قبل منتخب مالاوي وبهذه الأقلية يحاول المنتخب المالاوي يلعب على لاعبي الساو. الله كرة ضائعة وكرة محققة من قبل منتخب الساو. مفترض هذه الكرة أن تكون هدف الرابع للمنتخب الساو ولكن للأسف الشديد فرصة سانحة في الدقائق الثمانين من الشوط الثاني ولكن هذه الكرة لم يكن اللاعب موفق وضيع هذه الكرة نجيم. إذن اللاعب نجيم لم يكن تسديدته موفقة وهناك لاعب آخر يسقط داخل أرضية الملعب من قبل لاعبي الساو. فإن شاء الله سلامات لهذا اللاعب ويخرج سالما معافى. ولكن حكم المباراة يشير إلى التدخل السريع للجهاز الطبي. الجهاز الطبي يتدخل سريع لإسعاف هذا اللاعب وإن شاء الله نقول سلامات لهذا اللاعب وألا تكون إصابة بليغة أو إصابة كبيرة. وقد يكون هناك تبديل ثالث لمنتخب الساو puisqu'il ne laisse pas beaucoup de temps. Ngar qui reçoit les encouragements. Ferdinand Gassina qui a la responsabilité de ce corner. Tchadien espéré. Penalty. L'arbitre qui ne avec cette balle en direction de Gassina Ferdinand qui obtient la faute. Oui, Kadou Atofil, Gassina qui obtient la faute, mais les Tchadiens qu'il faut reconnaître, tout le monde crie au dieu d'un pénalty. Tout le monde crie à une faute dans la surface de réparation pour obtenir un pénalty. Comme si le pénalty allait être forcément transformé en but. Et c'est tout ce que les Tchadiens attendent, c'est comme si la ligne offensive ne peut pas faire autre chose que le pénalty qu'il faut attendre. Justement, avec la sortie de Gassina Ferdinand, autant pour moi, Ninga Kazmik, c'était un peu difficile. Ngar n'arrive plus à faire les frappes. Les attaquants tchadiens ne retrouvent pas leur automatisme et des balles difficiles, souvent aériennes. Donc le public n'attend que cette occasion.
de balle arrêtée, les 11 mètres, pourra définitivement donner la victoire aux Tchadiens. Et l'arbitre qui regarde déjà sa montre, on va suivre cette balle. Ce coup franc, Gassina Ferdinand qui envoie. Le poteau, ce n'est pas vrai. Le poteau qui sauve les Malawites. La tête de Ezekiel. Et là, les Malawites qui sont sauvés par le poteau. Léger. Les Tchadiens qui se réveillent toujours tard. Et là, nous approchons vers la fin du temps réglementaire. Les Tchadiens poussent. Mais la défense malawite ne cède pas. Innocent. Peut-être le dieu de football ne sont pas avec les Tchadiens pour complètement arracher leur qualification. Sinon, la tête d'Engar partait directement au poteau. N'eût été le montant. Morgane. Morgane qui joue avec Gassina. Gassina Ferdinand. Ngar qui change la combinaison. La combinaison entre ces trois. Attention, Ngar! Il était en position de tir. Ngar Ezekiel a été empêché par la défense des Malawites. C'est le seul joueur en ce moment. Il faut dire qu'ils sont nombreux. Mais que le dieu du football n'a pas encore décidé de sourire à la formation des Sao du Tchad. Les Tchadiens qui repartent. Ils obtiennent la touche. Et là, les Malawites ont disparu carrément du terrain avec les Tchadiens. Attention, on joue carrément dans le camp malawite. Avec Karl Marx. Ce n'est pas vrai. Hein? Le maillot de Karl Marx a été tiré. Et l'arbitre qui ne donne pas. Alors là, j'avais dit que peut-être que le dieu du football n'était pas assez du côté des Tchadiens ce soir pour arracher leur qualification. Ça va repartir encore. Les actions se multiplient dans le camp de Malawite, avec Ngar Ezekiel Fauché. Ça va permettre un coup franc aux Tchadiens. Et tous les joueurs tchadiens montent. Tous les joueurs tchadiens montent. On va suivre ce coup franc de Asselmo. Asselmo va-t-il sortir cette balle, le gardien? Les Malawites qui veulent aller en contre-attaque. C'est fini. C'est terminé. Le Tchad qui bat le Malawi sur un score de 3 buts à 1. Mais ce n'est pas la qualification innocente qu'il a eu. C'est une courte victoire pour les Tchadiens. Car les Malawites, en marquant un but à domicile, sont passés juste devant le Tchad. Voilà. On va peut-être avoir l'analyse des interviews des entraîneurs. Les Malawites qui sont aux anges, battus 3-1 par les Tchadiens. Mais la victoire tchadienne est très courte. Ça ne suffit pas pour les coéquipiers d'Emmanuel Tréguat d'arracher la qualification. Mais les Tchadiens ont fait. Ils ont marqué les trois buts pendant les 45 minutes. Mais ils ont laissé les 45 minutes à l'adversaire. Madi, le dieu des qualifications n'étant pas du côté des Tchadiens. Oui, peut-être que le Tchad n'est pas encore à son rendez-vous de qualification. Sinon, le match présenté cet après-midi par le 11 national mérite donc pour ce Tchad d'être qualifié. Malheureusement, l'équipe arrivée
de la deuxième partie de cette rencontre a permis donc de compliquer les chances aux Tchadiens qui, malheureusement, quand bien même ils mènent, ils ont battu donc les Malawites sur la marque de 3-1. Ils sont éliminés de la course. Nombre de buts, avec ce fameux but inscrit à l'extérieur, il faut reconnaître que ce qui a fait que le Tchad est donc éliminé donc pour le second tour au profit du Malawi. Alors, ils auront des leçons à justement à partir donc du milieu de terrain. Bon, quand cela ne tient, le football étant le football. Mais elle n'a pas baissé les bras, tous les joueurs se sont défoncés jusqu'à la fin du match. 15 minutes, on a fait une très très bonne Lubel. Mais les Sao. On devait prendre au moins ces 2 semaines. Bon, après, les joueurs sont pas. Ça fait préparation 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an avant pour pouvoir préparer les grands événements. Quel type de public vous avez carrément abandonné? Non, le public ne nous a pas abandonné. Le public, c'est normal. Ils ont été aussi déçus, mais ils ont répondu présent sur la première mi-temps. Ils étaient là. On les félicite cependant. Merci d'être venus à eux. Nous remercions tous ceux qui ont beaucoup de chance pour les prochaines compétitions. Merci à vous, mais ce n'est pas de la chance qu'il nous faut, c'est du travail. Merci à vous. À la première partie, l'équipe a été impeccable et la seconde partie, elle a lâché pour moi. Elle n'a pas lâché, mais il y a 2 équipes sur le terrain, le Malawi. ولكن احنا في الملاوي ما فزناش وهنا خسرنا على بيوت واحد معليش المنتخب التشادي الساو يعني بذل المجهود وبذل القالي والنبيذ ولكن في هذه المباراه ما هذا الثمن يعني اللعب التشاديين عندهم كيلعبوا مزيان دابا خصنا نقلبوا على كل شيء لاعب تشادي وان شاء الله غنبداو هذه البدايه ديال شي خدمه ان شاء الله فور الفيوتور هؤلاء اللاعبين يعني الان يعني قدموا كل ما عندهم من قوه ومن عتاد ففي المستقبل لعبه اعطوا كل شيء اليوم لعبوا شادي لعبوا Le Malawi a battu les Sao par 2-0. Un but marqué à l'extérieur qualifie donc la formation malawite. Une équipe malawite qui était déjà en 1984 à la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan, 2010 en Angola. Et nous vous remercions pour toute votre attention. Merci à l'équipe technique. Ici, le stade Chris Mamatouya et studio.